Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère, un discours qui marque un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Joe Biden veut renouer avec une diplomatie basée sur les alliances et les valeurs pour, je cite, répondre aux ambitions croissantes de la Chine, à la détermination de la Russie et aux défis mondiaux du climat et de la pandémie de Covid-19. L'Amérique est de retour. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au cœur de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, nous allons rebâtir nos alliances et nous engager de nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations dans la guerre au Yémen. C'est un tournant stratégique par rapport à l'ère Trump. Washington continuera en revanche ses opérations ciblées contre les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette guerre doit se terminer. Pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives de la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. Autre volet de son discours, la fin du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne. Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer les forces américaines sur ce territoire. La décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu'en Europe.